Philippe Mutrici, vous êtes directeur de l'évaluation des études et de la prospective à BPI France. J'avais une question à vous poser. Quels sont les dispositifs publics de garantie de crédit pour soutenir les PME? Et est-ce que les PME ont la formation suffisante et nécessaire pour y avoir accès? Merci Esther. C'est une question évidemment très importante. Les dispositifs de garantie de crédit donc opérés par BPI France viennent de loin dans l'histoire puisque c'était des dispositifs qui existent depuis plusieurs décennies et qui étaient opérés notamment par la BDPME et la Sopharis, pour ceux qui se souviennent donc des ancêtres de BPI France. Et ces dispositifs donc de garantie consistent à de façon générale, et après j'entrerai dans le détail sur la gamme de produits, mais de façon générale, à permettre aux banques de prendre une garantie sur le montant du crédit accordé aux TPE et aux PME. C'est ce qu'on appelle la quotité. La quotité est en général de 50%, donc ça veut dire que quand une banque prête 100 000 euros à une entreprise, elle peut en faire garantir 50%, donc 50 000 auprès de BPI France. Ce qui veut dire qu'en cas de défaillance de l'entreprise pour le remboursement de son crédit, la garantie de BPI France peut être appelée et ça permet aux banques deux choses. Premièrement, de distribuer plus de crédits aux entreprises, puisque deuxièmement, sur chaque crédit, la part de risque est plus faible. Alors ça va se décliner en toute une gamme de produits de garantie, donc c'est toujours le même principe, hein. Crédit bancaire privé fait à l'entreprise, garanti par BPI France sur une quotité qui peut monter à 70% dans certains cas. Et la variété des produits, ça va être les différents cas d'usage. Par exemple, on a des garanties de crédit pour l'innovation, on en a qui sont pour la transmission, très important, la garantie de crédit transmission. On va garantir la banque qui prête à un repreneur d'entreprise, notamment pour les fonds de commerce. C'est là où le cas d'école est le plus connu. Et on a des fonds de garantie pour la création aussi également. Ça va être le plus gros volume en nombre d'entreprises. C'est à peu près 25 à 30 000 par an. Et des garanties de crédit pour le développement. Donc au moins 4, dans la famille des garanties, au moins 4. La question suivante, elle est excellente. C'est est-ce que les entreprises connaissent les dispositifs? Je dirais probablement non, pas assez, et en même temps, c'est pas si grave. Pourquoi cette réponse? Non, pas assez, parce que nous n'avons que 3000 salariés à BPI France et très peu d'agences, une soixantaine en France, par rapport aux grands groupes bancaires qui ont des milliers d'agences, ça n'est évidemment pas beaucoup. Et pour autant, c'est pas si grave, parce qu'on va compenser par énormément de communication, mais le plus important, c'est que ces dispositifs de garantie, c'est pas à BPI France d'en parler aux entrepreneurs, c'est à la banque. Le dispositif est complètement délégué en gestion aux banques en dessous de 200 000 euros. Donc tous les crédits garantis inférieurs à 200 000 euros sont gérés par les banques au nom de BPI France. Et donc c'est les banquiers en fait qui parlent de ce dispositif à leurs clients. Merci beaucoup.